Comme Redon la dernière fois, chaussettes claquettes, la vraie dégaine du coach. C'est surtout que j'ai oublié mes chaussures chez moi, donc c'était soit ça, soit Crocs, soit Romaleos. T'aurais pu mettre les Crocs techniques ? Bah je vais les chercher. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Power Camp. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi en haltéro c'est Heavy Friday. Alors pourquoi on fait lourd le vendredi ? Ben, c'est simplement parce que je vais vous expliquer un petit peu la programmation sur une semaine. Le microcycle, c'est une programmation qu'on dit ondulatoire. On ne va pas rester sur un volume et une intensité linéaire tous les jours d'entraînement sur la semaine. On va avoir une structure qui va évoluer. Donc cette structure-là, elle est inspirée de ce qui se fait en Géorgie en partie. Vous savez qu'on est... On est proche de pas mal d'haltéro-géorgiens ici à Power Camp, donc on s'inspire un petit peu, mais aussi par les soviétiques. Ça veut dire que dans la semaine, vous voyez mon jeudi, mon dimanche, ce sont des jours off, des jours de récupération. Il y aura deux jours légers, le mardi et le samedi. C'est des jours où on va bosser technique, on va bosser renfo. Donc par exemple, ça peut être du passage d'arraché, ça peut être de l'arraché force, ça peut être des semi-techniques de jeté qui ne seront pas très lourds par rapport au mouvement complet et qui permettront de récupérer pour les jours suivants. On a deux jours ensuite qui sont intensité moyenne à lourd, ça va être le lundi et le mercredi. C'est des mouvements qui vont être plus spécifiques aux mouvements de compète, qui vont plus se rapprocher de l'arraché et de l'épaulé jeté en compète, comme de l'arraché debout, de l'épaulé debout ou de l'épaulé suspension. Et le vendredi, ça va être nos tests, toutes les semaines, ça va être nos tests compétition. Il y a un principe dans l'entraînement qu'on appelle principe de spécificité. L'haltéro, c'est max arraché, max à l'épaulé jeté, et on essaye de se rapprocher de ça de temps en temps dans l'entraînement, et chez nous c'est le vendredi. Donc là on va aller rejoindre les filles qui ont déjà commencé. Bon, vous avez eu une petite mise en bouche avec les filles sur cette séance du vendredi. Et là, maintenant, il est 16h et on a les gars qui arrivent. Donc, Heavy Friday pour les gars aussi. Il y en a 8 qui tirent. Enfin, il y en a 2 qui ont tiré ce matin. Il y en a 6 qui tirent cet après-midi. J'ai fait un système d'équipe. On est 4 contre 4. Et l'équipe gagnante sera l'équipe qui fera le plus de points. On calcule en points Roby. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les points Roby, vous pouvez aller voir notre dernière vidéo sur le système de qualification aux Jeux Olympiques. On en a parlé déjà dedans. Tu craques, t'es le but là. Ouais, j'ai plus de place. Ça rentre plus. En plus, je vais voir un peu les cuissots là. Dans la poche. J'ai regardé un vieux body qui courait, mon gars, il courait comme une grosse merde, comme ça. J'ai pas envie de venir comme ça. Ouais, du coup, elle est pour les jeter, c'est ça. Je sais pas, mais faut que je fasse plus loin pour les jeter. Voilà, c'est la vie, mais elle est pour les jeter. Alex, est-ce que tu penses que t'es la tête le plus performant en warm-up de la salle? En warm-up, c'est sûr. Développé couché, Antoine ? Exactement. Là, je m'entraîne pour compter. C'est pour les nouveaux standards de force. Normalement, hop, regarde, là, je suis pas trop mal. Plus large. Je pense que je suis en RM, là.
Ouais, ça passe, hein, du coup, sur l'épaule. Ça reste un sport litigieux au niveau de l'art. Là, ça a commencé avec Antoine qui est en train de s'échauffer. Et on a réussi à identifier la technique qu'ils vont utiliser à l'autre équipe pour essayer de nous battre. Ils utilisent la technique qu'on appelle technique de salope. Ça veut dire qu'ils attendent qu'on monte pour essayer de faire un petit peu plus, mais comme ça, ils ont leur target. Alex, t'aimes bien cette technique, toi, non? Regardez les autres monter. Ouais. On a intitulé ça la technique de salope avec Antoine. Ouais, mais bon, après, au final, c'est qui gagne? Bah, c'est ça la question. Zubbe. Zubbe. Tiens. Je ne peux pas le faire. Essaye. Oh, ça fait un peu les trapèzes, hein. Encore plus combien? Plus un. C'est déjà bien.